La sécurité avait été renforcée autour de la haute cour fédérale d'Abuja pour la reprise du procès du leader séparatiste de Nigeria, Nnamdi Kanu. Des agents de services de sécurité d'État et de la police nigériane, lourdement armés, ont bouclé les rues menant au tribunal. He was facing four counts. Nnamdi Kanu fait face à quatre chefs d'accusation, notamment de trahison, association de malfaiteurs, importation illégale de marchandises et propos diffamatoires. And the fourth one was, of course, defamation. Nnamdi Kanu est considéré par beaucoup comme un dangereux propagandiste, mais il est également considéré comme un combattant pour le mécontentement que de nombreux Igbos ressentent encore à l'égard du Nigeria des décennies après une guerre civile de 3 ans entre 1967 et 1970. Il était absent à la Cour fédérale pour ses premiers jours de la reprise de son procès. What's agitating for is something that has been done before him. Nous connaissons tous pourquoi Nnamdi Kanu se bat. On connaît tout ça. Même s'il mourait aujourd'hui, la même chose va continuer. Je ne suis pas Igbo, je suis Yoruba, mais je suis Nigérian. La vérité est bonne à dire. Il se bat pour une cause réelle. And what the guy is agitating for is rights. Il y a aussi des doutes pour certains d'un procès équitable pour le chef séparatiste. Ici, c'est le Nigeria. Tout citoyen qui travaille contre le gouvernement sera toujours mon ennemi. Le chef du peuple autochtone de Biafra, Nnamdi Kanu, restera sous la garde du département des services de sécurité d'État malgré une demande de transfert au centre correctionnel de Goudje par sa défense.